retrouve pour un Get Ready With Me, comme vous l'avez vu dans la barre d'infos avec toutes les découvertes que j'ai faites et aussi toutes les petites choses qu'on m'a envoyées pour tester. Comme ça, on pourra les tester ensemble. Alors, pour le mot du jour, on va prendre celui de... on va prendre celui de qui ? Eh bien, j'ai décidé de choisir aujourd'hui celui de Angel Tamema, qui nous dit, pour le prochain mot, douceur. Voilà, parce que vous êtes toutes des douceurs et je vous aime de trop. Donc voilà, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, en générique de fin et en barre d'infos, vous avez mon pseudo Instagram où vous pouvez me rejoindre parce que je fais des lives quasi tous les soirs en ce moment. Donc voilà, si je vous fais des lives en plein dans les magasins Action, je vous fais des lives un peu partout. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre parce que vraiment, c'est des lives que je peux pas faire sur YouTube. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre à se dire ? Eh bien, je pense qu'on peut commencer parce que vu que j'ai des choses à vous dire, on va commencer avec le Beauty Amplifier, base unifiante éclat primeur de chez Sephora. Donc j'ai malheureusement, je pense malheureusement, que donc il se présente blanc comme ça avec des micro-billes un peu du même style que celle de chez L'Oréal, que j'avais testé il y a un moment. Et j'ai peur que... Je l'ai testé sur ma main. Et j'ai peur qu'elle soit trop orange pour moi. Donc on va bien voir. Donc elle est censée être unifiante. Voilà, pour un grain de peau lissé. En plus. Alors on va voir si ça tient ses promesses. Pour l'instant ça a l'air d'aller. J'espère qu'elle va pas jaunir. Mais sinon, c'est prometteur. Donc, chose que j'avais à vous dire aussi, en tant que nouveauté, bien entendu, hein, j'ai négocié avec avec Igral, parce que vous savez, les 10 euros offerts à votre inscription, c'était... c'était uniquement pour la période des soldes. Donc, je leur ai dit, je vois pas pourquoi il y a d'autres grandes youtubeuses qui... profite tout le temps 24/24 de cette possibilité là sur Igral. Donc à force de négociation, j'ai réussi à obtenir pour vous les 10 euros offerts tout le temps, c'est à dire que pas forcément que pendant la période des soldes. Voilà, donc dès que vous rentrez votre code parrain Lupiludi sur Igral, eh bien vous obtenez 10 euros offert sur votre cagnotte et plus 5 ou 3 ou je sais pas combien pour les non-adhérents parrains, tu vois. Alors, pour celles qui ne savent pas comment fonctionne Igral et qui n'ont pas compris, parce que il y en a, on m'a dit sur Instagram en fait, en live, j'ai fait un live et on m'a dit que vous aviez pas, enfin il y en a une de vous qui m'a dit mais moi j'ai pas compris ce que c'est en fait. Igral, en fait, c'est un système de cashback, ça s'appelle. C'est un système qui vous permet de récupérer de l'argent lorsque vous faites des dépenses sur Internet. C'est-à-dire, moi, j'ai dépensé un canapé sur Cdiscount à 170 euros. J'ai fait une super occasion. Donc ça, ça va être dans un room tour bientôt, puisque le déménagement approche. Donc vous aurez tout ça bientôt. Et en fait, quand vous achetez voilà, des grosses choses, ou même sur Sephora, il y a des pourcentages. Donc, ben en fait, je suis en train d'en mettre une tonne. Non ? Depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'en mettre, en fait. Non, je sais pas. Si, j'arrête pas d'en mettre, en fait, de la base. Je sais pas, ouais, à un moment donné, il faudra peut-être s'arrêter, non ? Je parle, mais je suis pas concentrée à ce que je fais. Donc voilà, vous récupérez chez Sephora, c'est 2%. Sur AliExpress, c'est 6,5%. Sur The Beautist, c'est 3%. Sur Place des Tendances aussi. Sur Beauté Privée, je crois qu'il y a des partenariats ponctuels sur ces discounts. Mais je vous avais mis aussi sur Instagram. Et si vous voulez y aller... Ah, c'est plutôt pas mal, hein, la base, là. Je vous avais mis sur Instagram une liste des points, enfin des entreprises qui fonctionnent avec Igral. Il y a La Redoute. Il y a Bare Minerals, il y a Clarisonic, si vous voulez acheter une Clarisonic. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec eux. Voilà. Il y a même la SNCF, il y a... Après, il y a...
Il y a SFR, il y a Promovol, il y a des trucs comme ça en fait. Donc en fonction de ce dont vous avez besoin de dépenser, vous pouvez récupérer un pourcentage. Par exemple, pour 100 euros d'achat, vous récupérez 2 euros sur votre cagnotte. Et à partir de 20 euros de cagnotte, vous pouvez les retransférer sur votre compte bancaire. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, pour cette base, je suis plutôt contente. J'avais vraiment peur qu'elle fasse trop orange, mais non, ça a l'air d'aller. Ça se marie bien avec le coup. Je suis plutôt contente. Après, je vous dirai si elle s'oxyde un petit peu avec le temps. Pour l'instant, j'en suis contente. Ça cache plutôt bien les imperfections. Mais de toute façon, vu que ça c'est un primer, je vais venir avec ma palette Cover It de L'Oréal. Vous savez que ça c'est plus une nouveauté, hein, c'est un chouchou maintenant. Je vais venir un petit peu ponctuer mes rougeurs avec du correcteur. Donc voilà, vous pouvez récupérer en gros maintenant, vous comprenez, un petit peu d'argent sur vos dépenses. Parce que quand ça fait par exemple 100 euros chez Sephora, que vous récupérez 2 euros sur votre panier, et puis on sait qu'on dépense beaucoup nous les beauty addicts, on va dire que c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre un peu de violet. Voilà, un peu de violet pour ici. Pour illuminer le violet. Après, ça dépend si vous avez des cernes ou pas. Mais moi, je viens donner de l'éclat un maximum. Donc voilà. Aussi, à Aigral, vous pouvez télécharger la barre d'infos. Et en fait, vous savez pas comment elle fonctionne. Alors, moi, personnellement, je fonctionne avec Chrome. Google Chrome. Donc en fait, Google Chrome, il vous propose d'installer sur Aigral une petite extension. Donc vous l'installez, ça va se faire tout seul. Et une fois qu'en fait l'extension va être activée, enfin installée sur votre ordinateur, tout simplement, donc là je viens prendre un peu de jaune pour repasser dessus. Voilà. Une fois que ça va être installé. Dès que vous allez parcourir un site partenaire, donc dès que vous installez la toolbar, en fait vous avez 1 € en plus sur votre cagnotte qui se crédite automatiquement. Donc voilà, une fois que vous avez installé, dès que vous allez aller voir un site qui est partenaire, genre la Redoute, il va clignoter et ça va apparaître comme site partenaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, vous allez être au courant de tous les sites qui vous permettent de récupérer de l'argent. Moi, je suis déjà à plus de 300 euros maintenant. 330, je crois. De récupérer ça fait 2 ans et demi que je l'utilise. Et j'y croyais vraiment pas au début. Hein. Moi, vous savez, j'ai toujours peur de me faire arnaquer sur Internet et tout. Et franchement, non, ça marche. C'est vrai et ça fonctionne. Donc, si je peux vous en faire bénéficier, ce serait pas mal. Donc là, je vais prendre un petit peu des deux orangés pour venir ici commencer à faire un peu de contouring. Voilà. Ici. Tout simplement. Donc là, j'ai pris un duo fibre de chez AliExpress. Je suis en train de sentir, voir s'il pue. Mais non, il pue pas. Ensuite, je prends mon infaillible. Voilà. En teinte 20. Donc ça, c'était pour Aigral. Voilà, vous donnez la bonne nouvelle des 10 euros à chaque inscription maintenant. Donc à partir de cette vidéo, là, tout de suite, maintenant. Dès que vous vous inscrivez avec mon code parrain. Donc avec l'infaillible Total Cover, je rajoute une pointe d'accord parfait highlight pour avoir en teinte dorée. Donc c'est le 101DW. Et je mélange les deux. Voilà. Pour avoir un aspect un peu plus goldy, quoi. Un peu plus highlighté. Et je le passe au début au duo fibre. Et vous verrez qu'après, on viendra avec. Donc là, c'est vraiment parce qu'au pinceau, ça peut aller un tout chouïa plus vite. Et vu que j'ai pas trop le temps. Donc voilà, ça c'était pour la nouveauté Aigral. Et je suis vraiment très contente parce qu'en général,
Je sais pas si vous savez, mais il y a que les grandes youtubeuses en fait qui font beaucoup de trafic et de vues et tout, qui peuvent avoir ce code à 10 euros en fait. Donc j'étais super contente. Donc voilà, ça c'était pour Igral et franchement je suis trop trop contente. Parce que j'ai bataillé au début, elle voulait pas et tout. Hein. Elle voulait pas du tout me le. Elle dit non, non, ça dépend de votre trafic. Pour l'instant, en fait, on peut pas vous appliquer ce code-là, enfin cette possibilité-là et tout. Et en fait, ça a été possible. Donc je suis trop contente pour ça. Après, quoi d'autre? Quoi de neuf? Bientôt le déménagement. Normalement, dès qu'on grappille à un camion, on déménage. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie aujourd'hui d'utiliser un pinceau duo fibre alors que je le fais jamais. Mais bon, c'est pas mal. Je vais quand même reprendre mon Beauty Blender hein, pour reprendre le reste de la matière qu'il y a dessus. Parce que le Beauty Blender. Enfin, c'est pas un Beauty Blender d'ailleurs, c'est un 6 mm. 6 mm, presque pareil. Comme je dis toujours. Bref. Donc voilà, ça c'était pour Igral. Et vraiment, je vous incite. Hein. Mais c'est pas parce que. Alors, bien entendu, je touche 5 euros, je crois, à chaque personne qui va acheter. Depuis l'application. Et puis voilà, toutes les conditions, de toute façon, quand vous parrainez, sont inscrites en bas du parrainage. Enfin, tout vous est écrit. Donc, après, moi, j'ai pas. Je suis franche, hein, je vous ai jamais rien caché. Donc, voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens passer ma poudre, c'est faux. Parce que je l'aime beaucoup. Elle floute un peu les pores. Donc là, vous allez avoir l'impression que j'ai le teint blanc, mais pas du tout. Voilà. Donc vraiment sur la zone T pour un peu matifier, pour une matification un petit peu plus approfondie. Je passe à un trio à corps parfait. Donc là, c'est censé être le gold, en fait, highlighter. Sauf que moi, je vais utiliser en fait chaque... chaque chose indépendamment pour faire mon contouring en fait. Donc je viens prendre en gros avec mon gros pinceau, je sais il est gros, de chez Kiko, le 14, la partie voilà bronzer. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Parce que même si c'est gros, vous avez la possibilité ensuite d'estomper correctement avec ce pinceau là. C'est ce pourquoi je l'aime en fait. Hein. Et vu que c'est une poudre qui se prête plutôt... Alors, je vais vous montrer comment je fais. Vous voyez, je fais tourner mon pinceau en fait. Tout simplement dans la poudre. Vous voyez. Donc, il faut un petit peu le temps. Hein, que ça... Voilà. Faut pas être pressé, c'est sûr. Mais bon. Ça donne déjà un petit effet sympa. Après, si vous n'avez pas le temps, prenez plutôt voilà, une glam bronze. Hein. Ces poudres-là. Voilà, vous faites ça. Hop, hop, hop. Pareil de l'autre côté. Hop, hop, hop. Tac. Et voilà, c'est fait. Hein. Je suis obligée de me baisser parce qu'en fait j'ai mon miroir juste en dessous mais je vois pas grand chose. Du coup, ensuite, alors quoi de neuf? Je vous ai montré sur Instagram les photos de mes dernières acquisitions pour la maison. Donc il y a notamment un gros œuf. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les gros œufs de chez Jiffy. Parce que grâce à l'application que j'utilise en fait, vous savez l'application de l'auto, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Eh bien je gagne des bons d'achat chez Jiffy. Vu que Jiffy sort tout le temps des nouveautés, là je me suis pris le gros œuf qui coûte 99 euros. Parce que j'avais un bon d'achat de 35 euros. En ce moment, je n'arrive plus à avoir de bons beauté privés. Donc je n'en ai plus en cours de validité.
Donc si vous tombez sur une vidéo où je vous dis que j'en ai, c'était jusqu'au 28 février. J'en ai eu plein en fait à la date du 28 février, puis après j'en ai plus du tout. Donc voilà, pour le contouring, ce que ça donne. Ensuite je viens avec un pinceau boule un peu blush pour rehausser au-dessus. Voilà, un peu en guise d'highlight aussi quoi. Et là c'est la teinte dorée. Et vous aussi, vous avez aussi celle-là, la teinte rosée. Voilà, la différence entre les deux. Et la teinte rosée, je l'aime bien pour venir avec le blanc rehausser ici l'highlight. Tout simplement. Mais déjà là, ça fait très très joli. Je préfère comme ça. Voilà. Je viens avec cette magnifique voilà, palette de blush et pour prendre un beau corail. Il est trop magnifique ce corail. Pour venir le travailler en blush. Et tout, et c'est toujours la même chose, hein, je vous dis, quand on vient travailler, c'est du bout des doigts. C'est pas forcément le maquillage en lui-même qui va rendre l'effet somptueux, mais ce sera plus la manière dont vous allez le travailler et votre coup de pinceau. Voilà, si vous avez un bon coup de pinceau, vous savez travailler avec vos pinceaux, et ben vous êtes tout bon quoi. Ensuite, ben, comme je vous l'ai dit, je viens avec un pinceau beaucoup plus petit. Voilà, renforcer l'aspect highlight ici sur le dessus de la pommette, ici aussi, voilà, le nez, l'arc de Cupidon, vous voyez tout de suite l'highlight que ça donne, enfin, c'est tout bonnement magnifique. De la même manière, si vous trouvez que ça fait trop, mais moi c'est juste highlight on flicks, tu vois. Eh bien, on vient, hop, estomper un chouïa. Une fois que j'ai fait cela, je viens avec mon petit goupillon de chez P2 qui coûte 2 francs 6 sous. Pour faire mes sourcils. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment besoin de grand chose hein, pour les sourcils. Je vais remplir un chouïa avec la matière, donner une petite forme sympathique. Mais je n'ai pas le problème de ne pas avoir du tout de sourcils. Donc, une fois qu'on obtient ce rendu en fait sur le teint, je vais venir avec l'infaillible gel waterproof. Donc, j'espère qu'il est waterproof. Parce qu'aujourd'hui, on va l'appliquer en ras de cils inférieur. Donc, on y va. Voilà, il est là. Il est bleu électrique. Un peu comme mon t-shirt. Regardez comme il est crémeux. Ah, oh, il est trop crémeux. Il est trop beau. Donc, j'applique tout le ras de cils inférieur. En dépassant largement. Hein. Si vous n'y arrivez pas sans fermer les yeux, vous bloquez votre œil. Tac. Passer aussi dans les muqueuses. Voilà. Donc on fait vraiment quelque chose de très intense. Vous allez voir pourquoi après. Puisqu'on m'a demandé du coloré. Eh bien mesdames, aujourd'hui vous allez avoir du coloré. Puisque regardez, je suis en bleu, ça va parfaitement avec. Et oui, quelquefois il faut aussi oser la couleur. Vous pouvez faire quelque chose de très approximatif, hein, même en remontant sur les côtés. Parce que de toute façon, ça ne va pas rester comme ça. Une fois que l'on a ça, je vais venir avec une couleur dorée. Le Color Rich numéro 204, Golden Nude. Je vais venir avec un pinceau flouteur. Voilà, prélever de la matière. On va venir faire la paupière mobile. Une fois que j'ai ce rendu, je viens avec un couleur infaillible, le 15, le Flashback Silver. Voilà, qui a cette couleur un petit peu... violette. Et je viens faire le coin externe, grossièrement, pour apporter un peu de lumière. Mais sans trop estomper. Une fois que l'on a fait ça, on va venir prendre un violet de la Color Appeal Trio Pro. Qui est
AFF Jinifen, donc le 340, le violet cristal. Donc je prends ce violet là, avec toujours un pinceau blender, et je viens faire par-dessus. Je prends avec un pinceau plutôt plat, le même violet, que je viens appliquer en ras de cils sur le bleu, pour fixer le gel, le col gel, et faire cet effet de smoky inversé. Ensuite, je reprends ma palette de blush, je viens reprendre un mix du corail, et je viens faire mes transitions. Une fois que c'est fait, je reprends la même palette, je viens chercher le blanc pour faire l'ouverture du regard. Voilà. Et aussi le coin interne, qui est somme toute très important. Une fois que j'ai fait ça, je viens avec la couleur Hourglass Beige, la numéro 02 des couleurs infaillibles, comme ça, que je viens saupoudrer à l'intérieur. De la paupière mobile. Pour lui donner un effet, voilà, plus travaillé. Une fois qu'on en est là, on va épousseter toutes les petites chutes et ajouter notre mascara X-Fiber. Voilà notre maquillage des yeux terminé, on va passer à la bouche. Donc là, j'ai quelques nouveautés à vous montrer. Voilà, c'est deux L'Oréal et un Sephora. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la couleur du Sephora et du L'Oréal. Voilà ce que donne donc le look complet avec le lip paint mat de chez L'Oréal. Sachez qu'il est mat mais pas sans transfert. Il est très confortable, c'est vraiment un baume à porter sur les lèvres. Donc voilà clairement ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui. J'espère que ce tuto Get Ready With Me vous aura plu. Ce sera plus un Get Ready With Me au début et plus tuto à la fin. Voilà, j'en ai terminé avec ce look. Ça rend ça au final. J'espère que ça vous aura plu. J'adore cette couleur assez framboise de ce Limp Paint de chez L'Oréal. C'est le 205. J'avais aussi le Sephora, mais du coup, je l'ai déjà testé et il était beaucoup plus rouge que celui-ci qui est plus framboise. Donc, je voulais rester vraiment, vous voyez, hein, c'est vraiment rouge carmin. Donc dans tous les cas je l'ai déjà testé, je pourrais vous en parler dans la vidéo découverte et nouveautés du moment. Et puis je ne sais pas si ceux-là sont encore disponibles, mais dans tous les cas les teintes violettes vous la retrouvez un peu partout pour réaliser la même chose. Surtout on n'oublie pas le mot du jour qui est douceur. Et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie belle en rose, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes chats, ciao.